To everything there is a season and a time, to every purpose under the heaven. There is a time to sleep, a time to wake up, a time to keep silence, a time to speak, a time to shout. Prophet Nathan breaks the silence and prophesies for 2020 until 2023. The truth must be told. The prophetic moment, exclusively on UTV. Alors, on a un service de Sainte-Seine aujourd'hui, donc. Je veux trouver une révélation. D'abord, je fais un petit rappel sur le phénomène Sainte-Seine. Moi, je suis fatigué de voir qu'il y a toujours des polémiques dans l'Église sur des sujets. Je vais aller droit au but. Le premier sujet que je veux souligner, c'est parce que ceux qui ne sont pas baptisés ne doivent pas prendre la Sainte-Seine. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Hein? Donc, il y en a parmi vous qui ne prendront pas la Sainte-Seine parce qu'ils ne sont pas baptisés, non? D'accord. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Je commence par là. Yes. Matthieu 6, 26 à 29. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Recevez ce matin une bénédiction très forte. Qui soit une lumière qui éclaire plus que le soleil dans votre vie. Que tout soit clair, tout soit illuminé. Il y a une fille qui est ici, j'aime pas le garçon qui tourne autour d'elle. Donc je regarde personne, je préfère regarder ici. Mais il y a une fille qui est là, j'aime pas du tout ce garçon-là. C'est un aventureux, c'est un menteur, il fait la même chose tout le temps. Et toi tu es tellement faiblard, pourtant je t'en ai déjà parlé. Enfin on a parlé de ces sujets-là. Bon, Matthieu 26, 29. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas. C'est ça, Matthieu 26, 26 à 29. Tu viens de changer la saison là. Yes, yes, yes. Faites vite parce qu'il faut que je démarre mon moteur là. Mathieu. Il faut que je pulvérise. Dites amen, je bombarde. Dites amen, je fais exploser la Courneuve. Dites amen, j'écrase les démons. Dites amen. Non, non. Moi, ça me fait rire, toutes ces choses-là. Et puis les gars, je l'aimais bien. Hein. C'est un aîné. Il avait en plus un accent. Dites amen et je bombarde. Dites amen, je décolle. Pire, c'est que si on décolle, il n'y aura plus personne ici. Hein. Bon, c'est la Sainte-Seine. J'étais là, tranquille, au milieu de la nuit. Et on m'a transporté quelque part. Et ces gens-là m'ont dit, écoute, il faut faire la Sainte-Seine. Nous tous, on va le faire au même moment. Ça doit être synchronisé parce que quelque chose va se passer. Et puis, ils m'ont dit, tu entends? J'ai dit, oui, j'entends. Ils ont dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est du bruit. Ils ont dit, oui, il y a beaucoup d'activités actuellement dans votre ministère. Il va y avoir beaucoup d'activités, c'est du bruit. Mais commencez par la Sainte-Seine. Matthieu, chapitre 26, verset 26 jusqu'à 29, je lis la parole de Dieu. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ok, la déclaration est forte. Quand Jésus parle du sang, qu'est-ce qu'il dit? Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garde, qui garantit l'Alliance de Dieu. Et qui est versé pour une multitude de gens. Pour le pardon de
pour le pardon de péché. Le sang est répandu pour le pardon de péché. Il y a tellement de choses à dire. Je crois que je vais continuer malgré qu'on va prendre, faire la Sainte-Cène aujourd'hui. Je continuerai encore le dimanche prochain parce qu'il y a tellement de phénomènes. Mais je vais vous révéler un seul secret aujourd'hui. Mais laissez-moi casser les faux principes qui se répandent dans l'Église avant de faire ça. C'est comme si Satan sait que la connaissance est tellement la clé qu'il doit aveugler les gens pour qu'ils ne pratiquent pas cette vérité. Certains principes. Béni soit Dieu pour le PE. Où on dit tout. Maintenant, je vais vous faire lire encore un passage. Corinthiens, chapitre 11, verset 27. 1 Corinthiens 11, 27. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Relis un peu. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ok, continue. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Relis encore. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous avez entendu ça? Bon, dites-moi là où c'est écrit qu'avant de boire le corps du Christ, de manger le corps de Christ et de boire le sang de Christ, il faut être baptisé. Donnez-moi le passage, j'attends. Comme ça, je change d'avis dès maintenant. Bon, alors ces enseignements, ça vient d'où? Oui, c'est ce qu'on enseigne partout. Je crois qu'il faut décoller maintenant. It's going to happen. Mes salutations à la servante française qui va se lever, on va la saluer. Une grande amie à Moum. Elle nous a visités aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Et puis il y a Martha Huguette qui est avec nous pour la première fois. Elle est dans l'EPE. Tu peux te lever, Martha? Je sais que tu es tellement, tellement timide, mais il faut que tu te lèves. Dieu te bénisse. Merci. Alors, pendant que je commence la révélation, votre corps est déjà en train d'être visité. Le Saint-Esprit a dit, avant de décoller, il faut ce service. Je suis désolé, mais pour ceux qui ne sont pas là, je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais il fallait que ça se passe comme ça. Tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas boire le vin ou tu ne peux pas boire le sang du Christ. Et tu ne peux pas manger le corps du Christ, c'est ce qu'on a enseigné jusqu'aujourd'hui. Mais Jésus dit quelque chose, il dit que ce sang a été versé, répandu pour le péché de tous. Au contraire, c'est lui qui a des problèmes, qui est malade, qui a un problème sérieux dans sa vie, doit prendre du sang pour être sauvé. Vous voyez comment le diable est en train de faire les choses et bloquer l'église. Il y a une manifestation des guérisons. Écoutez bien, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc à cause de ta maladie, un service pareil, quand tu bois le sang du Christ, c'est ça qui va te guérir. Jésus recommande, il dit, buvez ceci en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez boire, ça va non seulement remémorer ou bien commémorer, mais ça va réactiver l'œuvre du sang de Jésus. Ça va réactiver une action de rédemption, de rémission et de guérison. Mais eux sont en train de vous troubler, qu'il faut que tu sois baptisé. Mais Jésus a dit, c'est lui qui sera... qui boira mon sang sans être baptisé, je le châtierai car moi l'Éternel, j'ai puni le péché. Il a dit ça vraiment. Mais pourtant, il vous doit donner le sang pour ça. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec la Sainte-Cène.
Donc quand je fais la Sainte Seine, le Saint-Esprit tape là et dit, hé, maintenant. Et je sais ce que c'est que la Sainte Seine. Je n'ai jamais célébré ce service sans voir les guérisons miracles. Jamais, pas une seule fois de tout mon ministère. Une fois, je suis allé en Allemagne. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu me dis pas ce que je vais prêcher? Quel message je vais donner? Je priais rien. Et puis, pendant quand j'arrivais vers la frontière, il a dit, tu parleras que de la puissance du sang de Jésus durant tous les voyages. Alors, pendant au moins 5 jours, une semaine, je parlais que de la puissance du sang de Jésus. Et le miracle que j'ai vu là-bas, non, mais laissez tomber, quoi. C'était extraordinaire. On ne joue pas avec le sang de l'agneau. Il y a même un homme de Dieu. Si tu m'entends, mon gars, il faut que tu te répandes, hein, parce que toi, tu as un sérieux problème, quoi. Non, mais il a vraiment un sérieux problème. Il m'a dit, il m'a invité dans son église, et puis il me dit, moi, je suis déjà arrivé dans son église. Je suis arrivé dans le pays en question, je ne cite pas le pays. Quand je suis arrivé, puis il commence à me dire, écoute, chez moi, on ne prêche pas ça, on ne prêche pas ça. Je l'écoute. Après, et surtout pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'existe pas. J'ai dit, hein? Il dit, mais attends, mais tu vas le prendre où? Où est-ce que tu prends le sang de Jésus pour l'appliquer? Quand tu dis le sang de Jésus, mais tu le trouves où? Ah! J'ai dit, bah alors la parole de Dieu, tu la trouves où? Ben oui, mais ça c'est un livre que les gens ont écrit, mais tu la trouves où? Ben montre-moi la parole de Dieu. Et tout à l'heure, après juste là, je parlais avec mon père spirituel, il rigole, lui il a l'habitude de rigoler. Ça c'est un petit qui ne comprend rien. J'ai dit, pourquoi t'as vraiment raison? Il y a des gens qui ne comprennent rien. Et ils jouent avec les principes fondamentaux qui changent la vie des gens. Il y a des principes avec lesquels tu plaisantes par le sang de Jésus. Ah! Je venais à peine de me convertir. Et j'ai vu un oiseau qui rentrait chez nous. Et l'oiseau était là en train de me regarder. Mais est-ce que je vois très bien? L'oiseau avait des poils. Il n'avait pas de plumes, mais plus de poils. Je dis, mais moi, un oiseau avec des poils? Je regarde, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, si tu as l'esprit des dieux, viens ici. Et il marchait. Je commençais à le suivre. Moi, je venais de prier, puis Dieu m'a transporté en esprit live, comme ça, en vision. Si tu as l'esprit des dieux, viens. Il marche. Et quand je dis, si tu as l'esprit de Jésus, approche. Ah, il a essayé de s'envoler. Quand il a entendu le nom de Jésus, boum. Et puis, il se retourne, il me regarde, il me parle. Il dit, je suis venu te tuer aujourd'hui. J'ai dit, quoi? Je te lance la malédiction du sang de l'agneau. Je l'en fais. Quelque chose est sorti de mes mains. Et ça l'a touché, il a explosé. Quand la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, suivez-moi bien, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Quand est-ce que cette guerre a eu lieu? Vous savez quand? Quand on a jeté les diables sur la terre. N'est-ce pas? Donc Jésus n'était pas encore là, mais le sang de l'agneau existait déjà. Vous jouez avec certaines personnes. Il n'était pas encore sur la terre, mais il était déjà là. C'est comme ton enfant qui n'est pas encore né, mais son estomac est déjà quelque part. Vous jouez avec certaines choses. Comment vous allez expliquer ça? Vous allez dire, le prophète, c'est quoi? Ben oui, mais c'est pour ça qu'il est Dieu. Ce n'est pas un homme, il est Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui peut faire ce que personne ne peut faire. C'est pour ça que quand je demande des signes, je demande à Dieu des choses que personne ne peut faire. Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'envoies dans ce pays, à 10h45 que le gars m'appelle, et que ce soit son appel qui me réveille à 10h45, et quand je vais me réveiller, la première chose qu'il va me dire, il va dire, alors mon pote, ça va? Ça, ce sont mes signes. Donc je donne des détails que tu ne peux pas imaginer, et ça se fait de la même manière, tu seras même traumatisé. Moi, mes signes, quand je demande, c'est choquant. Ha. Bon, il semble que je n'ai encore rien parlé. On va continuer. J'ai reçu un message. Je souhaite à maman Maboko Bank bonne fête des mères de ma part. Bah oui, c'est un message qui vient d'arriver. Car je n'ai pas son numéro pour le faire directement par elle-même. Et moi, je pense qu'elle va envoyer un autre message après. Et je souhaite aux filles des Maboko Banquette, peut-être, ces filles. Donc, je veux maintenant toucher. Moi, je touche que le fondement d'abord. Hein.
Alors enlevez ça de votre tête. Mais la Bible dit, celui qui boira indignement ou mangera indignement sans discernement le corps de Christ, il sera sous les jugements. La Bible continue, c'est pour ça qu'il y a des infirmes et des morts parmi vous. La seule condition, Jésus a dit, quand vous le faites, faites-le en mémoire de moi. La seule condition, c'est que tu saches ce que tu fais. C'est tout ce que l'apôtre a dit. Il ne faut pas le prendre indignement dans la distraction, non. Parce que tout le monde a bu, tu vois, parce que tout le monde a mangé, tu manges. Ou parce qu'on t'a forcé, hey, toi, tu dois boire. Non. Tu dois dire, ah Seigneur, regarde mon problème, regarde ma santé. Regarde ce problème de tension qui me poursuit depuis. Regarde mon problème, là, regarde. Aujourd'hui, c'est ta chair que je vais manger. Et c'est ton sang que je vais boire. Et la Bible dit que nous sommes guéris par ton sang. Je veux boire ton sang, guéris mon corps. C'est ça que la Bible nous recommande. Et c'est pour ça que c'est sacré pour moi. Parce que si c'est sacré, parce que je sais ce que ça fait. Même moi-même, parfois, quand je fais la sainte scène, là, il se passe des choses terribles. Et la seule chose que je sais, c'est que quand je le fais moi-même en privé, en lingala, on dit « nantuntunkak ». Une fois même, je suis tombé, je dis « Dieu, tu m'as blessé ». Là, j'ai fait ça, mais il n'y avait pas de blessure. Parce que je saute, boum, boum, boum. Il se passe quelque chose quand le Saint-Esprit libère la puissance du sang de Jésus. Vous savez que le Saint-Esprit travaille là-dessus. Quand vous parlez de l'onction, mais l'onction travaille comment? Travaille avec la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est manifesté par le sang de Jésus. Parce que s'il n'y a pas le sang de Jésus, il n'y a pas la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, comme la Bible dit, manifestée en Jésus-Christ au moyen de son sang. Et c'est ça qui libère l'onction. Tout ça, c'est l'œuvre de la croix. C'est pour ça que l'onction vient de la souffrance. Donc, c'est parce que les... J'espère qu'après ça, j'aurai droit à un petit vrai repas, quoi. Du riz cantonné au porc ou je sais pas quoi. Oh, Seigneur Jésus. Bon, je vais vous emmener très loin parce que le temps est passé. Je veux aller dans une vraie révélation pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Parce que jusque-là, vous écoutez, mais vous n'avez pas encore compris. Alors, je vous donne un passage et je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui, mais vous avez déjà compris l'essentiel. 1 Timothée 5, 23. Oh, yo, 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 yo. Le prophète Nathan touche le prophétisme en live. Ha, 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 ha. Même l'EPE n'a pas encore eu cette révélation-là. Mais je vais libérer ça aujourd'hui, publiquement. Hein? 1 Timothée chapitre 5, verset 23. La chandraline, écoute bien cette révélation-là. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Ça fait trembler tes entrailles déjà. Ah God, le prophétisme c'est fort. Je sens déjà. Continue. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Ne boire que quoi? Que de l'eau. L'eau est l'image de quoi? L'Esprit. Le Saint-Esprit. Oui. La parole. La parole, n'est-ce pas? Pas seulement la parole comme ça, comme tu l'entends. Mais encore quoi? Continue. Mais fais usage d'un peu de vin. Un peu de vin pour guérir quoi? Ton estomac. Bon, Jésus buvait quoi? Il a dit que c'était quoi? L'apôtre était en train de parler du sang de Jésus-Christ. Hey! Okay. Beaucoup de gens disent oui. Hey, non. L'apôtre Paul a dit à Timothée qu'il peut prendre aussi du vin. Mais non, tu n'as pas la révélation. C'est ça ton problème. Tu es trop charnel. L'apôtre parlait du vin qui est le sang de Jésus. Il disait à Timothée, il n'y a pas que la parole que tu lis, mais applique le sang dans ton estomac, quelque chose va se passer, parce que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh! C'est pour ça qu'il faut prendre le corps du Christ et boire le sang du Christ. L'apôtre Paul, un homme qui maîtrisait le prophétisme.
C'est lui qui a révélé dans Hébreux 6, arrêtez les 6 enseignements élémentaires qu'on enseigne à l'église tous les jours. Les baptêmes, les impositions de mains, les renoncements aux œuvres mortes, le jugement éternel, la résurrection du monde, de mort. Les 6 enseignements, il a dit, arrêtez ces élémentaires. Passez aux choses parfaites. Il parlait du prophétisme. Lui-même, il travaillait dessus. Il a dit, Timothée, tu lis trop la Bible. Chaque 5 heures du matin, tu es là, de l'eau, c'est vrai. Mais utilise le vin. Il s'est souvenu de l'ordre du maître qui a dit « Buvez ceci parce que ça a été répondu pour les pardons de péchés de tous. Et c'est par ça que vous êtes guéris. Mes maîtres sur à moi, Jésus. » Donc l'apôtre Paul disait « Applique le sang dans ta vie et quelque chose va se passer, il y aura une guérison. » Oh Jésus. To everything there is a season and a time, to every purpose under the heaven. There is a time to sleep, a time to wake up, a time to keep silence, a time to speak, a time to shout. Prophet Nathan breaks the silence and prophesies for 2020 until 2023. The truth must be told. The prophetic moment, exclusively on UTV.